Ne force pas l'amour. Il faut pas obliger les gens à t'aimer. Les gens doivent t'accepter tel que tu es, avec ta façon d'être, avec ta façon de faire. Quand tu rencontres une personne, logiquement, la personne doit te prendre tel que tu es. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des comportements, sinon des caractères qui dérangent les autres. Ça, on voit ça ensemble. Mais pour changer ça, il faudrait que la personne qui est en face de nous fasse aussi des efforts. Il faudrait que cette personne le mérite. Parce qu'il y a des gens qui aiment changer les autres. Ça veut dire que quand cette personne rentre dans ta vie, elle veut que tu fonctionnes comme lui, il veut. Elle veut que tu fasses comme lui, il veut. Et ça, c'est une grosse erreur. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous êtes en couple, vous ne pensez plus à vous. Vous vivez pour vos partenaires et c'est ça l'erreur. On ne peut pas vivre pour quelqu'un, c'est interdit. Tu dois vivre pour toi. La personne avec qui tu es doit s'adapter en fonction de comment tu es. Aimer quelqu'un plus que nous-mêmes là, c'est la grosse erreur. Tu dois être ta priorité, la personne que tu dois chouchouter en premier, c'est toi. Il n'y a que comme ça que tu seras heureuse. Beaucoup de femmes ont perdu leur valeur. Beaucoup d'hommes ont perdu leur dignité. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. S'ils ne font pas certaines choses, leurs partenaires vont partir. Celui qui part parce que tu ne fais pas les sacrifices pour lui, ça veut dire qu'il n'était pas fait pour toi. Aimez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de faire trop de sacrifices pour les gens. Les gens doivent vous accepter tel que vous êtes. Si tu vis pour quelqu'un là, ma chérie, ça veut dire que tu n'as plus de vie. C'est pareil comme toi, mon frère. Tu vis avec une femme et tu vis selon ses pas. Ce n'est pas bien. Le pire, c'est que des fois, la personne pour qui tu fais là, cette personne ne fait pas le tiers. Tu es en couple avec une personne, c'est toi qui souffres. Tu n'as jamais le sourire. Tu es toujours en train de réfléchir. Tu es toujours en train de te poser les questions. Pourquoi? Parce que tu es avec la mauvaise personne. Prenez soin de vous. Faites-vous belle, faites-vous beau, faites du sport, entretenez votre santé. Il n'y a que comme ça que vous allez être heureux. N'oubliez jamais que la seule personne qui ne vous trahira jamais, c'est vous. Vous comprenez? C'est vous. Tu es la seule personne qui ne te fera jamais du mal. Voici pourquoi tu dois prendre soin de toi. Aimer quelqu'un, c'est bien. Faire des sacrifices pour les gens, c'est bien. Mais pas au point de s'oublier. Depuis que tu es en couple là, essaye de te regarder aujourd'hui. Parfois, tu sais que quand tu étais seul, tu étais mieux que comme tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec la bonne personne. La personne en question a réussi à te faire croire que tu n'es rien sans elle. Aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Tu as peur que la personne parte. Pourquoi? Parce que cette personne a réussi. Tu t'es oublié dans la relation. Et c'est ça l'erreur.